Bonjour, je m'appelle Gilles Weber. Je suis français, originaire de l'Est de la France et partenaire Solar Group depuis août 2018. Depuis 2019, je suis également devenu partenaire national Solar Group de la France, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Cameroun et du Burkina Faso. Je souhaite vous parler de l'image que vous dégagez. Je ne veux pas parler de votre photo ou de votre selfie, bien que cela puisse s'apparenter, mais plutôt de ce que les gens pensent de vous, de la façon dont ils vous apprécient, de ce que vous reflétez. L'image, c'est un peu votre carte de visite, mais pas seulement. C'est ce que l'on appelle le personal branding, qui veut dire en français votre marque personnelle. Cela nécessite que vous puissiez être reconnu comme un expert dans un domaine qui est susceptible de résoudre les problèmes des gens. Si on prend en considération votre caractère, votre charisme, votre succès, mais aussi votre capacité d'écoute, devez-vous forcément plaire à tout le monde ? De préférence, à un maximum de monde, oui. Car le succès entraîne le succès, et si vous avez une aura positive, alors le public saura le déceler en vous. En réalité, il faut savoir que les gens vous suivent tout d'abord vous-même, avant de suivre un business ou une proposition financière comme le financement participatif de Solar Group que vous leur proposez. Bien qu'il faille tout de même avoir une offre qui tienne la route, car sinon, eh bien, votre marque personnelle va en prendre un coup. Dans ce cas, comment avoir une marque personnelle dès le début d'une entreprise de partenariat ? Restez déjà vous-même. Comprenez que vous ne pouvez pas forcément plaire à tout le monde. Mais vous devez toutefois fédérer, attirer les prospects par une attitude travailleuse et dynamique. On aime suivre ceux qui réussissent, pas ceux qui dorment ou prétendent tout savoir sans le démontrer. Le courage, le passage à l'action sont des démonstrations qui devraient entraîner ce que l'on appelle la duplication, c'est-à-dire ceux qui veulent vous ressembler car ils s'identifient à votre succès. Ce qui influence à avoir une bonne image personnelle, c'est l'attitude positive, la patience, car cela ne vient pas du jour au lendemain. Beaucoup de personnes vous observent avant tout et vous devez inspirer donc la confiance. Les attributs d'une image personnelle pouvant influencer une marque personnelle passent aussi par votre habillement, par un marketing permanent ou avant tout, c'est votre vous que vous allez vendre avant de vendre un produit ou un service. L'aide que vous apportez aux autres montre que l'expert est au service des partenaires ayant besoin de votre connaissance. Un peu comme un médecin qui représente votre sauveur pour un problème, au départ absolument insoluble, pour vous. Cette aide va renforcer la confiance que le public va mettre en vous. Et c'est ainsi que vous deviendrez leur marque préférée, au même titre que le produit favori qu'ils vont acheter dans un magasin. Si les personnes qui vous suivent reconnaissent en vous une bonne personne, et donc une bonne marque, alors vous sortez un nouveau produit ou un nouveau business, eh bien elles vont également vous suivre. Comment procéder pour développer votre personal branding ? Commencez par créer un blog, par exemple, qui reflète votre vision, votre travail, votre caractère, votre pédigré, votre parcours et ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est de cette façon que moi, personnellement, j'ai commencé à faire mon personal branding. Créez ce que d'autres ne font pas. Ainsi, cela vous aidera à avoir une reconnaissance qui va forger votre image unique. Récemment, un leader a créé un forum où il aide toutes les personnes à faire la vérification de leur compte Solar Group. Eh bien, cela va lui permettre de devenir un expert en la matière, un expert recherché pour son savoir, et il va devenir Monsieur Vérification. Une aide qui va ensuite lui coller à la peau et le mènera à une certaine réussite, car les vérifications des comptes est un élément important dans notre projet de financement participatif. Dans le travail de chaque jour, vous allez véhiculer votre propre image et en même temps renforcer cette marque personnelle en persévérant. Car la persévérance
Et l'engagement que vous tenez est un gage de crédibilité pour lequel beaucoup voudront vous ressembler. Il serait donc préférable de commencer à construire votre propre marque personnelle, votre moi, dès le début d'une activité. Ce que vous allez faire et montrer va ensuite former cette image que les gens auront de vous. Et si vous papillonnez de business en business, eh bien vous aurez une image de quelqu'un d'instable, ce qui n'inspire pas totalement confiance. On dit d'abord tu travailles pour l'image et ensuite l'image travaille pour toi. Mais combien de temps faut-il avant que votre image ne commence à fonctionner pour vous? Eh bien, cela est variable. Si vous êtes actif et montrez une détermination à réussir dans votre domaine, alors cela peut aller très vite. Par contre, il est également important de ne pas écorner ensuite cette image en commençant par faire n'importe quoi. Choisir un mauvais business pour lequel vous aurez donné votre quitus personnel et pour lequel les personnes vous ayant fait confiance vous ont suivi se rappelleront que trop bien de votre mauvais choix. Des erreurs peuvent gâcher l'image et la première impression que les gens auront de vous. Attention aux faux pas de vos collaborateurs aussi, des collaborateurs proches qui peuvent aussi détruire petit à petit votre image. J'avais par exemple par le passé une pizzeria avec livraison à domicile et un de mes livreurs faisait des roues arrière avec son cyclomoteur le soir en rentrant chez lui en pleine ville et les gens le voyaient. Et il écrasait aussi les fleurs chez les clients avec le véhicule de livraison. Eh bien, il reflétait par ce biais une mauvaise image de ma société car les clients le maudissaient d'écraser leur plate-bande et aussi disaient « Tu as vu, il roule sur une roue, la pizza qu'il transporte doit être toute ratatinée en arrivant chez le client. » Aussi, vous perdez en crédibilité et en confiance par le mauvais comportement des employés qui n'ont en fait rien à faire de votre image à vous-même. Apprenez donc à vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous. Et veillez à ce que l'on ne détruise pas votre image que vous avez mis du temps à construire. L'image, la marque personnelle, est donc le vecteur de votre propre entreprise que vous devez bichonner pour que les gens ne retiennent que le meilleur de vous-même. Sans toutefois vous laisser marcher sur les pieds par d'éventuels losers qui ne cherchent qu'à vous détruire. Cependant, pour garder la cote, n'oubliez pas de toujours renforcer votre image. Il est toujours plus agréable de plaire que de déplaire. Même si l'on doit parfois écarter certaines personnes de notre chemin pour garder un minimum de dignité. Il est donc important de respecter ses engagements, d'être actif et dynamique, de ne pas dormir, de veiller dès le départ à dégager du positivisme et de l'entrain, de montrer vos succès et d'aider les personnes autour de vous, de garder une constance, une persévérance et un moral à toute épreuve qui démontrera que vous êtes une personne unique que l'on peut suivre les yeux fermés. Ah oui, un dernier conseil. Écoutez les gens parler d'eux-mêmes. Ils adorent ça. Partagez vos expériences et apprenez à affectionner leurs histoires. Vous deviendrez, en plus de leur meilleure marque, leur meilleur ami. Écoutez et réécoutez cette vidéo afin de vous inspirer des conseils que je vous délivre pour que votre marque personnelle passe au top 1 des marques préférées de vos partenaires et que votre structure de partenariat grandisse sur l'image d'une personne à suivre et à écouter. Je vous souhaite un excellent personal branding.